dump the face in town. Bonsoir chers économistes, j'espère que vous allez bien. C'est le sixième épisode concernant le module technique de banque et de crédit selon la méthode de M. Abdelmjid Salahuddin. Faites l'épisode, Inch'Allah, nous allons faire la correction directe de l'exercice chat l'examen de la session normale 2019, sujet A. A partir de cet exercice, nous allons faire tout ce qui concerne le placement en action SICAF, le côté pratique. Nous allons l'exercice. Une société d'investissement à capital variable dont le capital est constitué de 5000 actions en nominal 2000 dirhams décide de placer cette ressource le 14 avril 2019 comme suit. Le capital de SICAV qui couvre 5000 actions et chaque action tient 2000 dirhams. Donc le capital de SICAV égale le nombre d'actions multiplié par le nominal égale 2000 dirhams. Décide de placer cette ressource le 14 avril 2019 comme suit. 50% le capital de SICAV est placé dans la société Cosemar où chaque action de la société Cosemar tient 188 dirhams. 30% le capital de SICAV est placé dans la société Sonaced où chaque action de la société Sonaced tient 340 dirhams. 15% le capital de SICAV est placé dans M2M Group où chaque action M2M Group tient 520 dirhams. 15% le capital de SICAV en trésorerie. Première étape, regardons le tableau. Les valeurs 14 avril, le cours 14 avril et le portefeuille 14 avril. Je ne connais pas les valeurs, au moins le nombre d'actions. On passe maintenant à les valeurs investies au 14-4-2019 dans chaque société. Amdoub Cosemar. Le nombre d'actions investies dans la société Cosemar égale le capital de SICAV multiplié par 50% divisé par le cours de Cosemar égale 26 595 actions. Blé virgule. Notez bien, le nombre d'actions doit être entier et bien précis. Et le nombre d'actions, mais qui compte fait le virgule, mais qui compte action, l'arbre action, une action. Le nombre d'actions investies dans la société Sonaced égale le capital de SICAV multiplié par 30% divisé par le cours de Sonaced égale 8823 actions. Rangez le tableau. Les valeurs de Sonaced, donc tu me lèves ou tu me mets 23 actions. En deuxième M2M groupe, les valeurs investies dans M2M groupe égale le capital de SICAV multiplié par 15% divisé par le cours de M2M Group égale 2884 actions. Rangez le colonne, بالنسبه les valeurs de M2M Group, on chip 2884 actions. بالنسبه les cours de chaque société le 14-4-2019, بالنسبه لكوزيمار 188 درهم, بالنسبه لسوناسيدو 340 درهم, بالنسبه لM2M Group 520 درهم. من بعد ما كتبت les cours, ندوز نحسب البورتفوي. بالنسبه للبورتفوي لا سوسيتي كوزيمار ايغال لو نومبر داكسيون انفيسي دون سيت سوسيتي ملتيبلي بار لو كور دو كوزيمار ايغال 4999860 درهم. بالنسبه للبورتفوي لا سوسيتي سون اسيد ايغال لو نومبر داكسيون انفيسي دون سيت سوسيتي ملتيبلي بار لو كور دو سون اسيد ايغال 2999820 درهم. La même chose, بالنسبه للبورتفوي de la société M2M Group égale le nombre d'actions investies dans cette société multiplié par le cours de M2M Group égale 1 499 680 dirhams. بالنسبه la trésorerie, nous avons 5% de capital de SICAV en trésorerie qui régirait le capital multiplié par 5% égale 500 000 dirhams. Règle marasso, bien le montant de la trésorerie ou 500 000 dirhams. Hitesh, la SICAV, d'ailleurs, le placement de la totalité de son capital. Il est régime à 50%, 30%, 15%, 15%, 100%. Régime la trésorerie, réhat 500 000 dirhams. Une fois réhat l'orca, réhissini, réhour, j'ai le cas d'arba qui te snoufie de l'bœuf.
وهذا parmi les pièges اللي كيحطو مسيو صلاح الدين بالنسبة لو بلاسمون اون اكسيون سي كاف. وخا يعطيكم كيف ما فهاد لوكا عطينا 5% اون تريزور صافي كاينه غير 5% نو غنشوف لي فالور واش خرجوا ليا بلي فاغول. وي بيان سور هما فاغول 77 فاغول 52 فاغول 61. دونك اش غنديرو اوتوماتيكمون غنعرف بان كاين واحد لو برودوي دي زاروندي خصني نحطو في تريزوري غنزيدو عليه ديك 5% اللي هو 0,77 multiplié par le cours plus 0,52 multiplié par le cours plus 0,61 multiplié par le cours. On va dire 5% de capital de SICAV. Donc, il faut comme trésor et le 14,4 égale 5% de capital de SICAV plus le produit des arrondis égale 5638,76 dirhams. J'ai le trésor et rien que tu vas. Une remarque. Quand il réagirait dire la somme du portefeuille, mais il cherche le capital de SICAV. Il cherche 10 millions de dirhams. Et là, il a l'achat. Mais le produit des arrondis, il y a deux chiffres. Il y a 0,77 fois le cours, 0,52 fois le cours, 0,61 fois le cours. Et c'est ce qui dit le prof, qui a deux chiffres. Il a voulu que la correction de l'exercice de placement en action SICAV qui est fait le planche. Ou en tout cas, on a le deux chiffres après la virgule. Donc, tu perds la méthode d'IELO. Mais il y a la méthode qui est le total de portefeuille juste à 100%. Blaman souk ana l'appareil atteint la trésorerie. Rechid le capital de SICAV, le 10 millions d'IRAM, ou la somme de portefeuille, moins le portefeuille, nisba la société Cosimar, moins le portefeuille nisba la société Sonacid, moins le portefeuille nisba la société M2M Group. Ou réatteigne le montant, le chassotchat la trésorerie, juste à 100%. Mais le prof qui a fait un bref de chiffres, tu peux aller la méthode d'IELO. Comme le cas d'IELO, le 18 avril 2019, un investisseur A confie à la SICAV une ressource de 8000 dirhams qui sera placée le jour même comme suit. 70% en titre Sonacid, 30% en titre M2M Group. À la fin de cette journée, les cours des actions de la SICAV ont enregistré les variations respectives suivantes. Une augmentation du cours de Cosimar de 10%, la baisse de 2% bénisbel le cours de son ascend, une augmentation de 11% bénisbel la société M2M Group. Quelque fois de la date, واحد l'investisseur A قرر باش يدير la souscription في SICAV واحد le capital ديال 8000 dirhams. حنا قبل ما نعرفوا هاد 8000 dirhams شحال يقدر يشري بها من اكسيون في SICAV في le 18 avril 2019 خصنا نحسبوا لي نوفو كور فهاد لا دات حيت لي كور راه تغيروا على حسب لوفر اي لا دوموند في لو مارشي. غنمشيو للطابلو ديالنا غنزيدو 3 كولون فالور كور بورتفي في لا دات 18 افريل 2019 غنحسبوا لي نوفو كور. دونك لو نوفو كور دو كوزيمار ابخي لا فارياسيون ايغال لونسيان كور فاكتور 1 بليس لوغمونتاسيون دي 10% ايغال 206,80 دirhams. Le nouveau cours de son asset égale l'ancien cours facteur 1 moins la baisse de 2% égale 333,20 dirhams. Et le nouveau cours de M2M Group égale l'ancien cours facteur 1 plus 11% égale 577,20 dirhams. Régirent les nouveaux cours, le portefeuille qui fait la valeur fois le cours, puisque les valeurs matérielles, donc elle prend le même montant, la trésorerie. Donc le total de portefeuille, le capital, la date 18 avril 2019, après la variation des cours, égale 10 604 953,16 dirhams. Une remarque. La date 14-4-2019, le capital de SICAV est 10 millions de dirhams. Au thème de l'action, le 14-4 de SICAV, elle fait une drame l'action. Nominal ou 2000 dirhams. L'action. Après la variation des cours, le capital trial, qu'un 10 millions de dirhams, ou le 10 604 953,16 dirhams.
بما ان الكابيتال اوغمونتا دونك حتى النومينال ما يبقاش 2000 درهم حتى لا فالور نومينال غطلع. ما يمكنش لنا هاد الانفيستيسور اللي بغا يدير لا سوسكريبسيون في سيكاف لو 18 افريل يشري لاكسيون ب 2000 درهم. الا بغا يشري لاكسيون ب 2000 درهم خصو يدير لا سوسكريبسيون في 14 افريل افون لي فارياسيون ديال لي كور. دونك شنو خاصنا نحسبو؟ خاصنا نحسبو لا فالور ليكيداتيف او لو نومينال في لو جور دو سوسكريبسيون. لا فالور ليكيداتيف او لا الثمن ديال لاكسيون في سيكاف في لو جور دو سوسكريبسيون ايغال لا سوم دي بورتفوي او لو كابيتال في لو 18 افريل 2019 ديفيزي بار لو نومبر داكسيون ايغال 2121 درهم بار اكسيون. يعني الانفيستيسور اللي غادي يدير لا سوسكريبسيون في سيكاف خاصو يشري كل اكسيون 2121 درهم. وجاب لي واحد لا ريسورس ديال 800000 درهم خصني نعرف شحال من اكسيون يقدر يشري بهذا الثمن. دونك لو نومبر داكسيون سوسكري بار لانفيستيسور ا ايغال لا ريسورس 800000 درهم ديفيزي بار لا فالور ليكيداتيف لو جور دو سوسكريبسيون ايغال 377 اكسيون. يعني يقدر يشري غير 377 اكسيون. شحال بقات لنا؟ بقات لنا 0.18 خصني نعرف 0.18 ما كاملاش اون اكسيون خصني نعرف الثمن ديالها وغنرجع ليه المونطون. دونك لو مونطون ا ريستيتيو ا لانفيستيسور ا ايغال لو ريست 0.18 فوا لا فالور ليكيداتيف ايغال 381.78 درهم. دونك هاد لو مونطون خصني نرجع ليه. بما انه خصني نرجع ليه خصني يتنقص من لا ريسورس اللي جاب لينا. دونك لو مونطون سوسكري بار لانفيستيسور ا ايغال 800 000 moins le montant à restituer égal 799 618,22 dirhams. D'abord, je vous la stratégie de placement du montant souscrit par l'investisseur. Il y a 70%, il y a 70%, c'est bien filmé, en titre son asset et 30% en titre de M2M Group. Rien que pour le nombre d'actions investies dans la société son asset égale le montant souscrit multiplié par 70% divisé par le cours de son asset. 18 avril 2019 égale 1679 actions. Kif me dit le nombre d'actions doit être entier. Qui conchpile face là. Le nombre d'actions investies dans la société M2M Group égale le montant souscrit par l'investisseur multiplié par 30% divisé par le nouveau cours. Yani le cours la date du 18 avril 2019. Égal 415 actions. D'abord, on va le tableau d'Yenna. Dans les trois colonnes, valeur, cours, portefeuille, bénéfice, l'investisseur A. Pour le jour de souscription, on va le nombre d'actions investies dans la société son asset et le nombre d'actions investies dans la société M2M Group. Le cours de chaque société pour le jour de souscription. Le portefeuille ou la valeur fois le cours. D'abord, on va le montant. Il va être la trésorerie. Qui va être le nombre d'actions investis dans chaque société, l'isbel son asset M2M Group, je n'ai pas le virgule. Donc, il faut que nous avons le produit des arrondis qui est dans la trésorerie de l'investisseur. Donc, le produit des arrondis qui est dans la trésorerie de l'investisseur 1 ou 0,87 fois le cours de son asset 18 avril 2019 plus 0,60 fois le cours de M2M Group 18 avril 2019 égale 636,20 dirhams. Rien dire un taf la trésorerie. Quel est le cas de notre moulahada li lahadna? Le 14-4-2019. Rédire la somme du portefeuille. Rédire le portefeuille de son asset plus le portefeuille de M2M Group plus le produit des arrondis. Mais rédire le montant souscrit par l'investisseur. Rédire des chiffres après la virgule. Mais j'ai dit le produit des arrondis. Qui m'a déjà. C'est pas qu'il y a de cartes. بان كاينه اون ميثود اللي كتخرج لك لي فالور جيست ا 100% بلا ما نتعذب نحسب انا لي برودوي دي زاروندي. غنشد لو مونطون سوسكري بار لانفيستيسور غنقص منه البورتفوي ديال سون اسيت و البورتفوي بالنسبه لام دوزيام جروب يعطيني لو برودوي دي زاروندي جيست ا 100%. مي حنا متبعين لو بروف كيخدم دو شيفر ابخي لا فيغول. دونك حنا خدمنا دو شيفر ابخي لا فيغول. كملوا ليكزارسيس ديالنا. قالك ابخي 3 موا يعني في 18 جويي 2019 لو سوسكريبتور ا transmet à la CICAV une demande de rachat
à 8h45 de l'intégralité de son portefeuille. Et en effet, l'investisseur A rébite la totalité des actions souscrites dans la SICAV. Sachant qu'à ce jour, les valeurs précitées ont enregistré les variations respectives suivantes. Une augmentation de 9% du cours de Cosimar, une augmentation de 5% du cours de son ACED et une augmentation de 15% du cours de M2M Group. Droit d'entrée de 1,15%, droit de sortie 0,35% et la retenue à la source de 15% sur la plus-value. Un jour, le tableau d'un an, il y a trois colonnes, valeur, cours, portefeuille, la date 18 juillet 2019. Le nombre d'actions investies dans la société Cosimar mérite réel, j'ai pris 16595 actions. Le nombre d'actions investies dans la société, son ACED, reste augmenté. Quand il y a 8823 actions, plus 70% du capital souscrit par l'investisseur A. Il y a 11,670 actions. Je voulais dire 11,500 actions investies dans la société, son ACED. La même chose, le nombre d'actions investies dans la société M2M Group, elle fait une action plus 30% de capital souscrit par l'investisseur A. Elle a 415 actions. Elle a 3,000 actions. D'abord, on a déjà les cours. La date 18 juillet 2019. La date de rachat, elle est la date de l'investisseur et la totalité des actions souscrites dans la SICAV. Le cours augmente. Il y a une augmentation du cours de la société Cosimar de 9%. Il y a une augmentation du cours de la société Sonacé de 5%. Il y a une augmentation de la société M2M Group de 15%. Donc, on va faire les nouveaux cours. Alors, on va faire les cours du 14 avril. On va faire les cours du 18 avril. Donc, le nouveau cours de la société Cosimar après la variation de 9% égale 206,80 facteur 1 plus 9%. Le nouveau cours de la société Sonacet après la variation du cours de 5% égale 333,20 facteur 1 plus 5%. Et le nouveau cours de la société M2M après la variation du cours de 15% égale 577,20 facteur 1 plus 15%. Mais nous avons calculé les nouveaux cours la date 18 juillet 2019. On a calculé le portefeuille, valeur fois le cours et le portefeuille. Nous avons calculé le montant, les recettes la trésorerie. Quel qu'en est le 18 avril, quel est le 500 638,76 dirhams plus 636,20 dirhams égal 501,274,96 dirhams. Donc le total du portefeuille ou le capital la date 18 juillet 2019 égale 12 360 093,85 dirhams. Quel est le capital la date 18 avril 2019? 10 604 953,16 dirhams. Mais le capital, quel est l'action? Elle fait 1,21 dirhams l'action. Mais la date 18 juillet 2016, le capital augmente. Donc, automatiquement, c'est le thème de l'action qui est là. On ne va pas être 1,121 dirhams de l'action. Donc, on va faire le thème de l'action pour la date de rachat. Et pour la date qui est arrivée, l'investisseur, la totalité des actions souscrites dans la SICAV. Égal le total du portefeuille divisé par le nombre total des actions de SICAV. Le moral est le cas de 5000 actions. J'ai de l'investisseur à la souscription de 3,000 actions. Donc, le nombre total des actions le SICAV, on va 5377 actions. Donc la valeur liquidative égale 2298,70 dirhams. Donc thème de l'action, la date de rachat, ou elle fait une machine 890 dirhams face à 70. Mais nous allons calculer la valeur liquidative, la date de rachat, on doit la valeur d'entrée. La valeur d'entrée, le jour de souscription, il y a le montant souscrit par l'investisseur, ou la ressource. L'IGDRB à la souscription de SICAV. Il est 799,618,22 dirhams. La valeur de sortie, ou la valeur brute, est l'investisseur qui rémet la totalité de son portefeuille. Ou est-ce qu'il y a une action de SICAV qui a 377 actions. Il y a une action. Donc, on va voir 377 actions.
شحال الثمن ديالها؟ دونك نضربها في لا فالور ليكيداتيف في لا دات دو راشا ايغال 866609 درهم. اي انفيستيسور بغا يدير لا سوسكريبسيون في سيكاف خصو يخلص ان دغوا دونتخي. لي دغوا دونتخي سون بلافوني ا 3% دي مونطون سوسكري بار لانفيستيسور اور تاكس. يعني مخصش الدغوا دونتخي يديباسي 3%. Donc, le droit d'entrée égale le montant souscrit par l'investisseur ou la valeur d'entrée multipliée par le taux de droit d'entrée égale 9195,70 dirhams. Et le jour de la sortie, l'investisseur se relâche un droit de sortie. Les droits de sortie sont plafonnés à 1,5% de la valeur brute hors taxe. Et les droits de sortie sont dépassés 1,5% mais la valeur de sortie ou la valeur brute. Donc, le droit de sortie égale la valeur de sortie multipliée par 0,35% égale 3033,13 dirhams. On passe maintenant pour calculer la plus ou moins value. Plus ou moins value égale la valeur de sortie moins la valeur d'entrée moins le droit d'entrée moins le droit de sortie. Égale 54 762,95 dirhams. On constate que l'investisseur a enregistré une plus-value. Notez bien, la retenue à la source est calculée sur les plus-values. La retenue à la source de 15% à 15% égale la plus-value fois 15% égale 8214,44 dirhams. Donc le montant net accrédité au compte de souscripteur A égale la valeur de sortie moins la retenue à la source moins droit de sortie égale 855 362,32 dirhams. Le montant est le compte de souscripteur, mais après ma bien la totalité des actions souscrites dans la SICAV. Mais après ma série dans l'exercice d'hier, on va regarder la copie d'hier, non? Parce que là, les réponses. Talbi mina la valeur liquidative au jour de souscription. Il y a 2121 dirhams, déjà d'être à l'arrondissement. Talbim mina le nombre d'actions souscrites par l'investisseur, ou 377 actions. Talbim mina la valeur liquidative au jour de rachat. Il y a 2298,70 dirhams. Ou talbim mina le montant net accrédité au compte de souscripteur A, les 855 362,32 dirhams. J'espère que l'explication de l'épisode est très claire. L'ifhem et dire like. Maintenant, si vous partagez la vidéo avec vos amis, les mazel m'abonnez, si vous abonnez à ma chaîne, maintenant, si vous n'avez pas de doua, vous faites un manille.